caméra. Ça va? Bonjour. Bonjour, bonne arrivée. Et Chloé. Chloé, il est sorti. Il est allé où? Là, lui, c'est Raoul. Là, ça va là-bas. Lui, c'est pas qu'il est venu. On vient de quitter au champ là. Hein? Non, c'est la petite qui est là. C'est bien. C'est bien. L'autre là, elle a vu. On vient de quitter au champ là. Ils n'ont pas le temps. C'est un de ses amis là. Voilà. Comment ça va? Comment ça va? Tu vas bien? Tu vas bien? Ma grâce, c'est ça non? Voilà. Tu vas quelle classe? C'est fameux non. C'est bien. T'as honte, faut parler fort. Ma grâce, viens ici. Comment t'appelles? Non, monsieur Kamara, c'est bon. Non, c'est bon, non, t'es assis. Bien. Tu fais quelque chose. C'est bien. Comment tu fais pour aller à l'école? Quand tu vas à l'école là, on te prend à vélo. Hein? Tu fais comment pour aller à l'école? Comment tu fais pour aller à l'école? Tu fais ces pains. Hein? Quand tu vas à l'école là, tu manges. Hein? Tu manges quoi? Ah bon, on boit un peu. Tu manges quoi? Quand tu vas à l'école là? Hmm? Où est Chloé? Ma grâce. Et Chloé? Chloé n'est pas là. C'est la mienne. Non, c'est la fille en question. Elle qui marche toujours 5 km. Voici le père. Ça va, monsieur? Oui, ça va. Et chez vous, ça va très bien. Très bien. Ah, bien. Ils ont tous vu. Ils sont bons. On s'était dit ce matin, mais je vais même m'appeler que les gens devaient arriver. Je suis venu, je dis bonsoir. Je suis parti tôt à 13h, 14h là. On m'a trouvé. Là, on est venu en voiture. Mmh. On a laissé ça chez Justin. Ah, d'accord. Allez, bonsoir. C'est la même chose. Moi je vous attendais demain même, comme on s'était dit là. Donc c'est demain même, j'étais concentré sur demain même. Comme demain c'est juste, ça peut s'en aller lundi. Lundi tout ça, voilà. Ça semble y penser. Non c'est le... C'est Kamara, il n'est pas là. Alors vous êtes parent d'élève? Oui. Et vous habitez quel village? Je suis au campement ici. Ça a un nom, le campement? Ça porte mon nom. Ah, le campement Ouattara, c'est ça? Kamara. Ah, campement Kamara. Voilà. Ah, d'accord. Mais... Donc vous êtes le fondateur de ce futur village. Sûrement, c'est bientôt, ça va devenir un village. Oui. Et le village va porter votre nom Kamara. Oui. Voilà, d'accord. Et vos enfants fréquentent quelle école? C'est EPP Nzeko. EPP Nzeko. Ouais. C'est à combien de distance ici? À 4 km. À 4 km environ. Vous estimez ça à 4 à 5 km. Vous pouvez me raconter un peu une journée de vie scolaire de votre enfant? Comment il se lève? À quelle heure il se lève? Comment vous en prenez? Comment vous y prenez, bien sûr? Bon, souvent, chaque matin, on leur donne de quoi aller à l'école. Ils se lèvent très tôt aussi. Dès 5h30, ils sont déjà en cours de 5h du matin, ils sont déjà dans la forêt. Ils s'en vont. À l'heure de tout ici, ils rentrent au moins à 19h. Ils passent par cette piste dans la brousse là. À midi, bon, c'est la poche toujours. Bon, c'est 200, les deux, c'est 200 par jour. 100 francs par personne, quoi. 100 francs par personne, voilà. Mais est-ce qu'il y a un commerce à l'école là-bas? Est-ce qu'il y a un endroit où dépenser? C'est détruit avec les petits commerçants qui sont là-bas. Ah, il y a des commerçants là-bas. D'accord. Et ils entrent à quelle heure? Quand ils sont à l'école, le soir, ils rentrent à quelle heure? À la maison, ils se rendent. C'est dans les 19h, 19h30. Votre femme, celle-toi.
qui a 5 ans. La toute petite là. 5 ans au CP1, c'est cela. C'est l'autre là, lui, il va dans les 12 là-bas, le CM1 là. Celui de CM1 à 12 ans. Donc c'est son grand frère qui a 12 ans, qui l'accompagne à l'école. Voilà, c'est grâce à lui. C'est là, donc tu vois même à des jours elle pleure, elle refuse. Donc souvent sa maman fait un peu d'attiquer, puis on essaie de la baratiner. Là, voilà, puis elle prend le chemin de l'école. D'accord. Donc du coup, à 5h30, vos enfants vous quittent sur le chemin, n'est-ce pas, les sentiers broussailleux pour aller à l'école, chercher la connaissance, de 5h30 jusqu'à 19h30, 20h. Voilà. C'est là qu'ils rentrent à la maison. Donc quasiment vous ne passez aucune journée avec les enfants, n'est-ce pas? Ouais. Souvent même quand il fait, quand il y a la pluie, fait tard à la moi-même, je suis obligé de les croiser en route pour voir si vraiment ils sont en cours de route. C'est ça. Ouais. D'accord. Merci Monsieur Camara. Donc vous êtes parent de deux élèves ici. Normalement, il y avait un qui devrait aller à l'école, mais vous m'avez dit. Compte tenu de sa santé, mais j'attends prochainement. D'accord. À la rentrée prochaine. Qu'est-ce qui vous motive à les forcer cette scolarité alors qu'ils sont très loin? Ils auraient pu faire l'agriculture. En fait, bon, c'est ça, on dit l'enfant, c'est l'école maintenant. Donc nous autres, nous on a fréquenté, mais on voit vraiment les travaux champêtres, ils sont très pénibles. Les travaux champêtres sont pénibles. Voilà, donc l'enfant, normalement, sa place, c'est l'école. D'accord. C'est ce qui m'a motivé à les faire partir. Même si la personne ne veut pas aller, je l'oblige à aller. D'accord. C'est le baratinier. Ça dit pour un lendemain meilleur. Pour son avenir, voilà. Pour un bon avenir pour l'enfant. D'accord. Non, ce n'est pas... En fait, la scolarisation de vos enfants, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas parce que l'État a dit que c'est l'école obligatoire que vous le faites. Mais non. C'est parce que vous-même... Voilà. Je vois vraiment l'intérêt de l'école. L'intérêt voilà. De la chose. Donc, ce n'est pas le gouvernement qui vous force. C'est pas parce qu'on vous oblige, parce que c'est pas parce qu'il y a une loi, n'est-ce pas, qui va vous condamner. Non, non, non. Mais c'est parce que vous-même, vous le faites parce que vous savez que c'est bien pour les enfants. Oui, c'est très bien pour les enfants. Mais M. Kamara, mais souvent il arrive que vous n'avez rien à donner aux enfants, non? Oui, oui. Mais quand comment, ça... voilà, quand ils n'ont rien, bon. Ils ne donnent rien comme argent pour aller à l'école. Il faut comment pour manger? Mais ça là, c'est dur, hein. Il faut comment? Non, il faut comment? Selon toi? Ou bien tu les dis d'aller à l'école comme ça, ou bien... Il y a une femme qui est là, la femme Gourou, je lui demande beaucoup pardon. Allez-y, c'est madame, elle vous donne un peu d'attaqué. Le jour que je vais me rattraper, je vais lui donner l'argent. Non, à ce que vous prenez à crédit. Oui, oui. Voilà. Vous vous endettez pour leur donner à manger. Voilà, pour leur donner à manger. La femme qu'on a vue tout à l'heure, là, qui, c'est quelque... on a vu une dame qui faisait de la ticket. Voilà. Elle-même, elle a des enfants. Là-bas. C'est ça. Maintenant, quelle solution vous voulez qu'on trouve pour que les enfants mangent à l'école? Ou bien, vous avez des suggestions à faire? Si nous avons, moi-même, j'ai des suggestions à faire parce que l'école, bon, moi, à chaque fois quand je partais à Pogri, il n'y a pas place. Il n'y a pas place. C'est ça même, j'ai eu le courage. J'ai pris mon courage demain avec les frères là. On a commencé à faire les appartements pour les enfants. Ça fait la cinquième année. On dit même si je travaille en bas des trucs comme ça, ça nous arrange que parcourir 6 ou 8 km. Ouais. Et puis là-bas, il n'y a pas place, tant de trucs. Bon, ici c'est encore, ça nous arrange. Mais tu as un enfant au CM1. Tu as un enfant au CM1. Je suis le directeur. Et il s'est retrouvé à M. Ko. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas le laisser continuer à produire? Bon, là-bas, c'est un peu dur. Là-bas, c'est un peu dur. C'est dur comment? Pour qui? Bon, pour toi ou pour l'enfant? Pour l'enfant, je vois sa souffrance un peu. D'ici Pogri, ça fait combien de kilomètres? Ça dépasse 6. Ça dépasse 6 kilomètres. Ouais. Maintenant, quand tu partais à Pogri, qui partait l'accompagner? C'est toi ou bien l'enfant partait seul? Il partait seul. Bon, des fois, si le vélo est bon, on s'en va le déposer et puis on revient. Mais si le vélo n'est pas bon, il marche. Il marche. D'accord. Est-ce que les enfants se sont plaints de ces conditions-là une fois? Non. Les enfants ne se plaignent pas? Ils ne se plaignent pas. Comme c'est la plus petite, là, le jour qu'elle est fatiguée, de c'est ça, ce sont les enfants. Elle seulement. Bon, le plus âgé, là, bon, lui, comme lui, il est un peu... Mais tu ne trouves pas souvent que les enfants font ça parce qu'ils ont peur de toi? Oui, mais moi-même, je vois leurs souffrances. Voilà. Je vois leurs souffrances. Au moins, on avait une cantine là-bas à l'école comme ça. Bon, pour pouvoir recevoir les enfants, là, ça les motive. Quand même, ils vont avoir encore plus d'intelligence entre eux là-bas. Puis, moi, ils voient que ça nous arrangerait beaucoup même. Une cantine. Toi,
Mon souhait, c'est qu'on ait une cantine là-bas. Oui, oui. Cantine scolaire. D'accord. Bien, merci Monsieur Camara. Oui, oui. On ne finira pas de poser des questions. Je pense que vous avez dit l'essentiel. Ce que je peux retenir de cet entretien, c'est que les élèves eux-mêmes sont motivés. Ils se plaignent rarement. Sauf les enfants, même à Abidjan, hein, je pense que même si l'école est à côté, le simple fait d'aller à l'école le matin, l'enfant il pleure. Oui. Donc ça c'est pas pour le tenir rigueur. Il y a des jours ça arrive, mais comme voilà. Je suis là, je leur dis vraiment, l'école est importante, c'est il y a beaucoup dedans. Merci beaucoup. Donc un jour vous deviendrez comme votre maître, quand tu leur dis comme ça, peut-être plus que ça même, bon, ça les motive un peu. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur Camara.